C'est une grande voix d'Europe 1 qui s'est éteinte cette nuit. Hubert, emblématique animateur de Salut les copains, qui avait succédé à Daniel Filipacchi, nous a quittés à l'âge de 81 ans et on entend toutes les anecdotes dans les couloirs de la station depuis ce matin. On va retracer avec vous, Pierre Herbulot, son parcours sur l'antenne d'Europe numéro 1 et d'abord son nom de scène. Oui, parce qu'on parle souvent de grands noms de la radio. Hubert Wayaf, lui, était un grand prénom de la radio. La légende veut que quand il débarque à Europe numéro 1 dans les années 60, un présentateur de l'époque lui suggère d'abandonner son nom de famille, imprononçable. Qu'à cela ne tienne, Hubert, tout court, va devenir une légende. Nous sommes en 1963, dans les locaux historiques de la rue François 1er, quand ce jeune disque jockey, le premier en France, s'installe en studio. Eh bien non, ne vous dérangez pas pour moi, j'arrive, faites-moi juste une petite place à côté de vous sur le siège, voilà, je pose mes disques, on va les écouter ensemble. Celui qu'on entend ce moment s'appelle The High and the Mighty. Vous vous souvenez la musique du film Écrit dans le ciel? Sa renommée grandit au fil des années. Dans le vent, Musicorama, Radio 2, Les Meilleurs de la Nuit, des noms d'émissions qui resteront toujours associés à Hubert. C'est lui aussi qui crée Europe Stop, le grand jeu des autocollants accrochés aux voitures. Mais le pic de sa carrière, bien sûr, c'est ça. Hubert vous propose SLC Salut les copains. Salut les copains, émission emblématique de la station. Il en prend les rênes en 1968. Très humble à l'époque, il est presque terrifié à l'idée de prendre la suite d'une autre légende, Daniel Filipacchi. Et pourtant, Hubert est à l'aise comme personne dans l'exercice. Exemple, en octobre 1977, quand il réveille Michel Sardou le jour de son mariage. Allô ? Michel, mon petit gars. Pas de ma gueule, quand j'ai pas dormi pendant deux jours. Ben je sais que t'as sommeil. Je te signale qu'on est sur l'antenne, là, mon gars. Non, je veux pas non plus te changer quelque chose dans ta vie, mais je te rappelle que tu te maries dans 40 minutes. Dans 40 minutes? Oui, tu te maries dans 40 minutes, mon petit gars. Je sais pas, pourquoi personne m'a réveillé? Allez, à tout de suite. Humour, culot, bonne humeur, Hubert, c'était un animateur, une voix, mais aussi et surtout un morceau de l'histoire d'Europe 1. Et d'incroyables moments de radio comme celui que vous venez de nous faire entendre, Pierre Herbulot, merci beaucoup. Et bien sûr, ce midi, toute la maison Europe 1 pense très fort à sa famille et à ses proches et nous présentons nos plus sincères condoléances.